Merci, Madame Jossot. Pour le groupe socialiste, Madame Tolmont. Oui, merci, Monsieur le. Madame Jossot, le micro. Voilà, c'est bon. Oui, merci, Monsieur le Président. Je tiens à mon tour à saluer évidemment Messieurs Joannico et Roussel, ainsi que les membres de la mission, pour le travail conséquent qui nous est rapporté aujourd'hui. En effet, ce rapport sur les droits de diffusion audiovisuelle des manifestations sportives aborde un très large spectre de sujets dont le lien réside dans la nécessaire solidarité entre le sport professionnel et le sport amateur, avec la taxe Buffet, évidemment, et dans cette idée qui nous est essentielle que les droits de diffusion des manifestations sont donc et doivent rester un levier du développement du sport en France, qu'il s'agisse de l'élargissement de la culture sportive, du financement du sport amateur ou du développement du sport professionnel avec la sécurisation des droits audiovisuels et des appels d'offres. Véritable manne financière, en effet, les droits audiovisuels sont plus fluctuants que toute autre ressource pour les clubs. Leur montant dépend en effet autant des évolutions du marché de la diffusion dans un environnement audiovisuel de plus en plus compétitif que des difficultés que peuvent rencontrer les diffuseurs. Le premier enjeu est donc, je viens de l'évoquer, la sécurisation et la consolidation du montant de ces droits dans la durée pour donner de la visibilité à l'ensemble des acteurs concernés. La diversification de ces ressources propres aux clubs et leur pérennisation sont également un enjeu essentiel pour sortir le football professionnel de sa, français en particulier, de sa télédépendance. La mission parlementaire tire les enseignements, ça a été évoqué, du fiasco Mediapro et fait des propositions pour un nouveau modèle économique des clubs professionnels que nous soutenons. Le groupe socialiste et apparenté, par ailleurs, soutient aussi la proposition de donner plus de visibilité en clair aux matchs de Ligue 1, à condition que le choix du match opéré soit attractif pour les amateurs de football. Nous sommes en revanche plus réservés sur deux propositions de Monsieur le rapporteur. Ça concerne la création de sociétés de financement du sport sur le modèle des SOFICA dans la culture et la création d'une autorité administrative indépendante en charge de la régulation du sport professionnel qui viendrait rajouter une couche au millefeuille des autorités existantes et dont le principe n'a pas recueilli de soutien, le soutien pardon, des acteurs entendus lors des auditions de la mission, semble-t-il. Je vous remercie.